Bonjour, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vlogué. Comme ce week-end, j'ai pas tourné et lundi, j'ai pas publié. Je traverse en ce moment une zone de turbulence d'ordre privé où je suis pas directement la concernée. Ni Eric, quoi, voilà, c'est pas le boulot non plus, mais c'est suffisamment important pour que ça m'impacte et que ça devienne obsédant. Obsédant matin, midi et soir, tout le temps. Donc en plus, je suis quand même un peu de nature déjà très anxieuse et très vite, je développe des symptômes de migraine, machin. J'en ai pas eu, je touche du bois, mais voilà, là, je suis là-dedans et c'est vraiment très dur à gérer, mais faut que j'arrive à voler. Faut que je mette de la distance avec tout ça. Les nouvelles, les autres nouvelles, il est passé hier. Il est venu prendre des dernières mesures, notamment pour le range qui va me créer, enfin, qui va nous créer le range bouteille. Comme rien n'est droit ici, il va falloir qu'il recale tout. Donc ça, c'est bon. Je pense que il est en train de faire en tout cas le coffrage, de le peindre et tout. Donc d'ici, on va dire, allez, une semaine, même 2 semaines, c'est pas grave, ça peut attendre, mais ça c'est plutôt une bonne chose. Hier, on est allé faire des courses et je suis persuadée, je vous ai pas montré du coup, mais je sais que je me suis dit, ça, il va falloir que je leur montre. Qu'est-ce que c'était? Ah! Trop bon. Une découverte pour moi. Peut-être pas pour vous, mais exceptionnelle. J'ai eu beaucoup de mal à freiner hier. La moutarde au miel. Bah, qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas du tout trop forte. Elle est bien équilibrée au niveau du miel. Je l'ai mangée hier, j'avais fait des tagliatelles avec un peu de viande hachée. Waouh, c'est excellent. Par contre, effectivement, c'est un petit peu. Comment on dit? Tu peux pas t'arrêter. Il faut se limiter. Connaissez-vous? Si vous ne connaissez pas et que vous aimez cette association, il faut y aller. Hein. Donc, c'est Maï qui fait ça. J'avais également autre chose, mais je sais pas là tout de suite. Enfin, autre à vous montrer. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai eu pour 190 euros. Et j'ai pas l'impression d'avoir tant de choses que ça. Et ça, c'est flippant. Si, il m'est arrivé un truc très drôle que je vais vous partager. Vous savez que je parle quand même, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est médecine, je vous parle pas mal de choses. Même moi, pour rigoler, je dis que j'ai fait médecine. Et figurez-vous, alors je ne sais pas si ce sont des personnes qui regardent mes vidéos, je ne sais pas si d'autres personnes que moi ont reçu ça, et donc oui, c'est une erreur. Mais regardez, écoutez, je trouve ça très drôle, il faut que je le retrouve. Caroline Bruxelles, hein, voilà. Attention, ça commence. Bonjour docteur. Dans le contexte actuel de résurgence des cas de, je ne citerai pas, mais vous avez compris, nous tenons à vous informer de la mise en place d'un approvisionnement en tests, nananana, spécialement dédié aux professionnels de santé que je suis. Chaque médecin a la possibilité de bénéficier de 30 boîtes, blablabla. Donc, il faut que je leur envoie la copie de ma carte CPS, une ordonnance à mon nom, bien évidemment. Veuillez indiquer votre adresse de livraison pour qu'ils m'envoient tout ça dans mon cabinet. Est-ce que c'est pas ouf? J'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Vous l'avez reçu? Oh, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. C'était chat, c'est compliqué. C'est là que je me dis, il suffit que je ne vlogue pas une fois qui correspond à 2-3 jours, et j'ai plein de trucs à vous dire et à vous montrer. J'ai commencé ça parce que j'en ai marre de l'état de mes cheveux catastrophiques à tout point de vue. Ce n'est absolument pas un partenariat. La marque m'a donné un code pour moi, mais ce n'est pas une collab, c'est rien du tout. C'est juste que j'en entends parler comme je pense beaucoup, beaucoup. Et j'essaie, donc je fais la gamme, voilà, Luxéol, Force et Croissance. Il semblerait encore, c'est beaucoup d'influenceuses qui le disent. Mais il semblerait que ça fonctionne très bien. En plus, c'est des gummies parce que moi j'en ai marre, les gros comprimés avalés, compliqués. T'en prends 2 par jour avant le repas. Ça a un petit goût naturel de framboise, c'est très bon. Le seul truc qui me. J'en ai pris 3, donc ça va me durer 3 mois. Le seul truc qui m'embête, j'ai commencé il y a 5 jours, c'est qu'à l'intérieur, j'avais pas vu, il y a du maltitol. Et le maltitol, c'est un édulcorant qui peut. Chez les personnes migraineuses comme moi, ça peut être un déclencheur. Peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment pour que ça le soit,
Mais voilà, donc je suis là-dedans. On verra bien au fil du temps comment l'état de mes cheveux évolue, si ça fonctionne. Et sinon, ce midi, je vais manger chez ma maman. En plus, il fait beau, donc c'est bien possible qu'on soit sur la terrasse. Lunettes de soleil et tout. Il est déjà 11h. Et oui, mon Jackie. Ça t'a manqué? Est-ce que ça t'a manqué, la caméra, tout ça, d'être filmé? Un peu? Oh, sur Insta, je t'ai filmé. La caméra, ça me met dans des états. Tu veux être journaliste? Tu vas raconter quoi? Les croquettes qui ont augmenté? C'est drôle parce qu'à chaque fois, je me dis, allez, Caro, prends tes deux fauteuils, ça doit faire 2 ans que je louche dessus. Les super fauteuils en velours un peu vert, enfin, ça va être magnifique là. Et dernièrement, je me dis, non, c'est pas possible, quand je vois l'état de ceux-là, il va me les défoncer pareil. Tu vas faire ça, ta mère? T'as pas le temps de venir alors? Je sais pas quelle heure, moi je m'en parle. Bon, du coup, je vais aller. Attends, regardez ce qu'Eric. Eric, il me dit, oh, c'est quoi? J'ai un rêve dans la vie. Ouais, j'en ai jamais eu. C'est de prendre un petit lapin au chocolat. Du coup, il a pris le plus gros. Oh là là. Bah écoute, régale-toi. Ah, oh, ce temps. Je suis à moi, la sortie des parasols. C'est des magnolias, ça? Il va être beau. Et pour deux, j'en ai fait pour quatre. Qu'est-ce que tu nous as fait? Non, non, il n'y a rien de... Ah, mais j'adore ça. C'est les premières crudités. C'est des asperges, hein? Tomates, oui. Nickel. J'adore. Et basilic. Par contre, ça va quoi? Ben, ça tape, hein. Ouais, mais ça va, là, t'as ton chapeau, il y a... au mois de mars. C'était très bon. Elle avait fait des frites qui n'étaient pas cuites. Elle est encore en train de les chauffer, donc ce sera pour soir. La peau, en fait, sa friteuse sans huile, là, elle a... C'est pas qu'elle a cramé, mais son fil s'est dégondé, donc je pense qu'il y a eu un court-circuit. Mais il y avait quand même de petites aiguillettes avec des champignons, voilà. Et là, j'ai envie de faire une sieste, c'est fou. Je vais quand même, je prends un petit café. Eh bah, je ne vous ai pas repris depuis 14... Non, bah, depuis que j'étais chez ma maman, ouais, je suis rentrée à 14h. En même temps, je me suis mise à bosser. Il est 19h42. Je surveille parce que je le sens pas du tout. Je suis en train de me faire des pommes cuites avec boudin noir et des grosses pommes dauphines. Et je vais me mettre un replay, je pense, que j'ai pas vu Koh-Lanta. Ça sent trop bon. Merci pour les personnes qui ont commandé la box et qui ont reçu la box. Je suis envahie de messages. J'ai l'impression que vous l'avez kiffé, ça fait plaisir, en fait, je suis trop contente, l'édition de mars. Sachez que l'édition d'avril qui est actuellement en commande, elle va être dingo, elle va être sublime, le bijou tout. Vraiment, passez pas à côté, si vous avez aimé celle de mars, c'est prêt. Mon papa, il a le casque. Est-ce que je peux lui faire confiance? On va tester, mais je monte parce qu'il a son casque, Eric ne m'entend pas. Voilà. Je peux te dire qu'il te regarde. Je te fais confiance, je monte. T'as pas intérêt d'aller choper là-bas. T'as pas... Non. Ça va se régaler, je pense. C'est parti. C'est une nouvelle journée. Il est... Arrête. Ah non, commence pas. Il est 11h07. Je vais chercher de la litière pour Jackie. J'aurais déjà dû le faire hier, mais j'ai procrastiné. Tu vas être chiant. Arrête. Pourquoi tu fais ça? Sois mignon. Attends, je suis en train de dire ça, mais je crois qu'Eric est parti avec ma voiture. Non. Bon, du coup, j'ai une bonne petite heure. Je vais répondre à des mails. Ça m'avancera. C'est pas très finot de ma part de me mettre comme ça contre jour. Ça fait plusieurs fois maintenant, en fait, le cadeau de la box Gold, je l'envoie après. C'est-à-dire que ça fait double surprise pour la personne qui gagne. Oh, ma box. Et quelques jours après, oh, j'ai gagné. Et exceptionnellement, cette marque, la marque Belle, là, je vous montre, qui offre donc l'ensemble avec la trousse, a glissé un code promo donc pour tout le monde. C'est Box Le Boudoir 15. Donc, bien évidemment, pour bénéficier de 15% sur la totalité de la commande, c'est valable pendant un mois pour une personne à chaque fois. Et ce soin-là que je teste depuis, oh, facile, 15 jours, il est vraiment très très bien et je trouve que le prix reste très correct, d'autant plus avec la petite réduction, donc ça vaut vraiment le coup. Très belle découverte. Il est 14h, donc on a fini de manger évidemment. Eric est reparti au lycée avec ma voiture. Donc j'ai demandé à ma maman qu'elle vienne pour m'emmener. Donc litière, mais je vais également me prendre des chaussons et des petites cuillères.
Il ne nous reste plus qu'une petite cuillère et une grande cuillère. C'est un peu la dèche et c'est un peu chiant, franchement. Donc je pense que ça doit se vendre par 6, 8 pour au moins être tranquille. Et ce qui est cool, c'est qu'il fait très beau. Donc même si je sors pas bien longtemps, ça va quand même me faire du bien. Parce qu'après, bah, faut que j'enchaîne sur le montage de ce vlog puisque nous sommes vendredi. J'aime bien ce manteau aussi. Ce midi, je me suis pris deux tranches comme ça de bavette. Énorme la bavette. Je me suis régalée avec des haricots. Top. Et ça, ça peut me faire que du bien pour remonter mon petit taux là. Qui doit être en chute libre. D'ailleurs, je devais cette semaine. Ça me saoule. Je devais appeler le médecin pour faire un petit check-up par rapport à ça. Et je, depuis hier ou avant-hier, j'appelle l'hôpital pour avoir rendez-vous avec un gynécologue. Ça ne répond pas. Non, mais en plus, c'est ce modèle-ci, précisément. Oui. Ben, elles sont mignonnes. Oui, oui. Oui, c'est printanier. J'ai réalisé que... On est à Leclerc, hein, si vous ne l'avez pas remarqué. Ah, ben si, avec la nappe bleue. Non, ça va. Ah, tu les as achetées ou tu dois les acheter? C'est ça. Ah, elles sont mignonnes. Bah, c'est celle-là, tu es. Petite cuillère, ça doit être là. 1,30€ la cuillère. Ah ouais. Donc, dans le lave-vaisselle, ça... la durée de vie est très courte. Elles sont belles. Non, mais il n'y en a plus. Toi, tu voulais ça, version quoi? Oui, j'en veux trois autres de chaque. Ah. Les assiettes, elles sont super jolies à chaque fois. Ah, c'est très beau. Ah bon? Parce que demain, elle va venir pour m'aider, je sais plus si je vous ai dit. J'ai envie de faire le grand ménage de printemps à la maison. Et elle va venir m'aider. Et là, comme j'ai un balai souffleur, il faut que je trouve les lingettes. Comme Gémeaux, c'est à côté et que j'ai pas vu de modèle de chaussons qui convenait, on va faire un petit tour là-bas. Il n'y a pas de musique? Ah si. Ah, j'aime bien ça. C'est pas mal. On va aller prendre un petit... petit truc, tu vas manger quelque chose toi? Dans un salon de thé. Il y a 4 heures, il faut que je sois à la maison. C'est pas ouvert. C'est ouvert le samedi et le dimanche. À des horaires particuliers, je crois. Tu veux m'aller ailleurs? Non. Non, on peut prendre un pain au chocolat. Là où on... Oui, je vois. Eh ben. Ok. T'as trouvé ton bonheur? Oh, ça a l'air bon là, les bouchées chocolat. Merci. Mmh. Merci maman. Bonne dégustation. Merci. Tu veux te mettre où? Ça, il n'y avait pas framboise, j'ai pris abricot, ça a l'air pas mal aussi. Fait maison, là, carré coco choco. Chocolat maison, fait ici, il y a marqué. Ça a l'air pas mal. De retour de cette petite escapade. Tiens, c'est bizarre. Jack, il braille pas. Bizarre. Je savais pas que t'étais là. Non, franchement, je me souvenais plus du tout que t'étais rentrée. T'avais cours jusqu'à 3h, c'est ça? Oui. Ah mais tu repars, t'as porte oui. ouverte. Chaussons offerts. Offerts par ma maman qui avait des points, donc offerts par elle aussi. J'ai l'impression que ça va pas déraper sur les escaliers. Bien sûr. Ils ont l'air bien. Bien sûr. Ça va sinon toi? Très bien. Et j'ai pris quoi? Tu vas être content. 6 petites cuillères. Génial. J'ai acheté également la litière de la jaquette. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes quoi? Si tu veux, j'ai pris un petit gâteau coco. Il en reste un peu. Mm. Tu m'as laissé un petit bout de gâteau de bouffe. 1,30€ la petite cuillère. 1,30€ la petite cuillère. Tu trouves ça cher? Non. Par contre, eh oui, je sais, vous n'allez pas être content. Mais. Je ne juge pas. J'arrête maintenant ce vlog. Par contre, dans le vlog de lundi, normalement. Énorme, énorme. Par rapport à ce que je fais, énorme. Par contre. Ça se trouve, on va pas y aller. Là, on va pas à l'arc. Non, mais... Là, mais... voilà. Je vous fais un gros bisou. Ouais. Ne m'en voulez pas depuis tout à l'heure, en fait. T'avais pas vu? C'est pas du tout droit. Non. On se dit donc à lundi. Ciao. Ciao.